Best of Sardoche, e-sport en continu. Genre, avec mon portable, je peux absolument tout hacker. Alors, je suis nul à chier. J'ai quasiment jamais joué. Mais. Bon. En gros, on peut vraiment s'en battre les couilles. C'est ça qu'il faut retenir. Oh, mais pourquoi je parle avec toi, putain? Pourquoi je parle avec toi? Mais c'est impossible, là, c'est impossible. Dimitri Payet. Tous ont fait enculer. Ça m'énerve. Coup de foie. Non, c'était un peu tôt. J'ai un peu abusé. Je vais me faire comme le ski. Mais ça va fonctionner. Alors du coup... Mais ils sont 6. Ils sont 6, la putain de sa race. Mais il a pas été touché. C'est n'importe quoi. C'est impossible. 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 Il y en a pas tant que ça les ennemis. Ouais, bon après il y en a qui sortent de la rue. Non mais attendez, c'est un citoyen normal et il se met tout d'un coup à supporter la cause des Mexicanos sans aucune logique. Genre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on va envoyer le drone. Ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, comment je surfe? Comment je vais faire attention là? Est-ce qu'on pourrait pas péter? Merde! Ah, le con, putain, mais sa mère! Faut que j'attende 5 ans pour en avoir un autre, putain! La diversion a fonctionné à la perfection. Merde! Mais c'est pas possible! Mais putain, mais oh là là! Mais j'avais trop géré! Putain! Mais c'est pas possible! Oh là là! La diversion a fonctionné à la perfection. Merde! Ah, mais j'ai pas piraté, du coup je peux sortir quelque part derrière. Oh merde, putain merde! C'est de la merde. Ah, sors! Sors la clé! La clé, putain! Oh, c'est pourquoi il me fait faire des flèches, là? Merde! Je suis encore coincé! Putain! Allez! Zidane! Allez, là! Bon, par contre, ça dirait de pas mourir maintenant. C'est quand même très con. Je suis une Formule 1! Ah bah oui, elle est largement mieux. Ah bah oui. En plus, il y a de la bonne musique, quoi. On se met très très bien là. C'est forcément Americanos qui a cette voiture. Donc, faut se dire que dans le futur, il y aura encore des Americanos en Amérique. Donc, comme quoi, Trump n'aura pas réussi à construire ce mur. Merde. Que tu veux, on l'a. Cette semaine, on fait des super promos sur les suites à capuche et les polos. Oh, les suites à capuche! Non mais à chaque fois qu'un mec me parle, c'est une référence. Non mais en fait, genre... J'étais là en premier. L'autre qui fait 5 km par jour, la meuf qui est tireuse d'élite, lui qui veut me vendre des suites à capuche. Bon, ça suffit. Restons calmes. Alors, on va pouvoir se faire un Nobunobu Capuchonly. Alors attends. Je peux pas, non, c'est mort. Y'en a marre, putain. Ça va 2 minutes là, merde. Putain. Respectez-moi, putain, respectez les viewers, respectez les gens qui payent pour voir un mec avec des tongs chaussettes, putain. C'est pas possible. Oh là là. Depuis que les tongs existent, c'est interdit. Depuis que les chaussettes et les tongs sont dans le même espace-temps, c'est interdit. Alors la putain de ta race, c'est pas parce qu'on est dans le futur que les gens se peuvent... Non. Mais non, 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 j'en ai marre, non. Bon, on va changer ça tout de suite. On va faire abstraction. Les croquis. Non, mais... Ah, j'avais pas vu les crocs, putain. Mais attends, mais je peux acheter que des crocs? Non mais non, non, ça on déconne là.
Mais tu m'étonnes que les gens ils vont mettre de l'argent dans le jeu. Mais vas-y, je vous donne tout mon portefeuille. Non mais ils redoublent. Mais attends, mais ils se sont crus à Rome ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Imaginons, tu achètes un jeu, même 40 euros, hein. Bon, tu le payes. T'arrives dans le jeu, ton perso, tu peux lui filer que des crocs. Y a que ça comme chaussures disponibles. Tu vas pas continuer à jouer, hein. Mais d'un côté, t'as payé 40 euros. Donc tu te dis que à partir de là, même si c'est pas worth d'acheter des pompes virtuelles de 2 euros, bah ton jeu, pour pouvoir y jouer, il t'aura coûté 42 euros, du coup. Voilà. Mais sauf qu'en vrai, on peut acheter d'autres chaussures. Mais faut descendre, faut avoir l'œil, hein. Comme c'est, par exemple, ces crocs rouges, hein. Avec ma caméra, là. Attends, je rêve ou j'ai perdu ma voiture? D'accord. Ok. Bah, on fait comme ça. Ok. Donc, la voiture est tellement intelligente qu'elle s'est éloignée le plus possible de moi, toute seule. Zbub! Attends, c'est quoi ça? Attends, je peux faire quoi avec ça? Ah, je peux désactiver les feux rouges. Là, j'ai activé les feux, je crois. Okay, attends, c'est ça ou quoi? Ouais, donc là, il n'y a plus de feu et du coup, là il va commencer à avoir des accidents de ouf, je crois. Bon, voilà, lui, tu vois, il y avait un feu vert dans tous les cas, il a pas croisé de voiture, mais comme les feux se sont éteints, bah, il s'est pris l'arbre. C'est tout ce qu'il y a de plus normal, hein, bien évidemment. Putain de Mexicain, là! Putain, mais c'est il a tellement raison, Trump. Tous les problèmes de cette planète, c'est les Mexicains depuis le début. À la base, c'était les Mongols, ils ont construit un mur en Chine pour les empêcher d'avancer. Voilà. Et après, c'était les Mexicains, il faut construire un mur, hein. C'est toujours la même solution depuis la nuit des temps. Faut pas changer une méthode qui marche, hein, mon pote, hein. C'est quoi ce zonard, là? Accro au jeu. Oh putain, 2 900 $. Ça aurait été marrant que l'accro au jeu, il ait un revenu négatif. Quoi, tu me parles? Mais je m'en bats les couilles. Mais je vais te la péter l'épaule, connard, putain. Mec, tu sais qui je suis ou pas? Mec, j'ai 2 200 followers, mon gars. Putain. Bon, c'est... Et moi, je me sers ce que font les gens. Recruteur de techniciens. Tu sais, j'ai un groupe de tricot. Expert en attaque d'Eidos. Fils de pute! Non, pardon, je me suis... Non, c'est parce que j'ai des relents des années précédentes qui étaient difficiles. Du coup, je me suis dit que... Et vous avez vu, la police m'attaque pas parce qu'ils sont d'accord avec moi. Genre, on peut frapper autant qu'on veut les mecs qui font des attaques d'Eidos. Connard, putain! Stylé? Merde, j'ai pas fait exprès! Non, je voulais pas. Je suis désolé. Mais pourquoi tu te colles au mur? Oh non, j'ai eu... Non, j'ai la police. Mais non, la police, ça veut ma peau. On va s'en aller. Hein. Putain, je me fais exprès. Zbub. Ok, il y a des hackers rivaux, en fait. Je veux dire, ils pourraient se finir... En fait, je pense qu'il y a des hackers qui doivent se prendre pour des hackers. Un petit peu comme les gens dans la rue qui jouent à Candy Crush et qui vous disent que c'est des gamers. Et qui se la pètent devant la société en disant « Oui, moi, je suis un gamer. Il m'arrive régulièrement de jouer sur mon smartphone dans mon RERD. Ouais, c'est vrai que on n'a pas grand chose à faire d'autre dans le RD que de jouer à son téléphone et je suis quelqu'un d'assez gamer, voilà. À mon avis, s'il est fiché dans les bases de données, c'est parce qu'il est pédophile. Tous les mecs qui conduisent des camions à glace sont pédophiles. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Best of Sardoche, esport en continu. On va se prendre des crocs roses. Non, mais en vrai, j'aurais été coro bizarre, je l'aurais fait. Mais j'ai pas les couilles de m'en battre à ce point-là. Je peux pas laisser faire ça. Ils font de la merde, putain! Mais ils font de la merde! Eh, flash in cette connasse! On peut les tuer tellement facilement! Les mecs ils courent! Vlad il est top lane, ils sont pas les couilles! Lâche à les mines, on sait pas pourquoi!